On a vu, même avec le milieu Sribupen et aussi donc de Tousséwa, oui, le bouchon qui est déménagé, mais le point reste thaïlandais. Le point reste thaïlandais et oui, il n'y a pas de doute quant à la volonté donc des Thaïlandais de gagner cette partie, mais est-ce que la réussite va les suivre? Donc il encourage, il faut impérativement qu'ils gagnent le point dans cette main. Il va le suivre. Tousséwa. Ah oui, super pontage, presque un biberon. Oh là. Non, il a tiré comme un débutant. Il a tiré comme un débutant, Kroma William Bassabi, parce qu'on a vu qu'il a totalement fui le contact avec sa boule. C'est à ce niveau-là qu'on voit les grands joueurs, qu'on les reconnaît dans leur prise de décision, également dans leur façon donc de jouer. Très bon pointage à nouveau de Robinho qui, franchement, ah oui, joue pleinement sa partition dans cette partie épique entre la Thaïlande et la France. Qu'est-ce qu'il va faire? Oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a fait un carreau très très heureux, très très opportun, parce que le carreau traîne. Et le but, il lui donne deux points, dont un qui est très serré. Il savait que s'il avait tiré, à la première boule, il aurait donné donc un boulevard de gagne à son équipe. C'est pour aider leur, parce que... Oui, c'est pour raccourcir, pour lui. Il réussit, il n'en bouchonne pas, mais il fait un devant de but. C'est gagné. Le bouchon a bougé. Qu'est-ce que je disais? Le bouchon qui a bougé. Oui. Mais à l'avantage de la Thaïlande. Thaïlande-Espagne, c'est donc la finale qu'on va suivre tout à l'heure à partir de 16h. On dirait sur nos antennes. Au bout du suspense. La France qui s'incline à 11.